Les gens ont beaucoup ri, ça m'a étonnée parce que c'était la première fois qu'on le montrait vraiment. C'était le premier public en fait du film. Donc j'ai découvert des endroits de comédie vraiment forts que j'avais pas envisagé d'une manière aussi. Aussi forte. Et c'était émouvant de voir qu'avec des sous-titres, il y a quand même toute la poésie et toute la sensibilité de ce film que Constance a mis, qui est parvenue même à la presse étrangère, et j'en suis très très heureuse. Ce terme queer est pour moi, j'adore moi les mots en cours de définition, j'adore l'indécidable du monde, j'adore les choses en chemin, et parce que voilà, ça me titille ce terme queer. Mais artistiquement, je dis, ça, c'est un terme liquide, hémorragique, qui ensemence d'autres termes, qui en convoque d'autres. Fiévreux, chaud, montagne russe. Pleased to welcome you for this second panel. The name of the panel is Regaining Markets and Audiences in a Post-Pandemic Period. Let's hope that this is a real post-pandemic period. You have here, and that's what I think is really important, you have in a traditional chain of film distribution worldwide, you have a producer, a sales agent, a festival to launch the film, a distributor who is going to do the job, and then exhibitor, who at the end is really bringing the public to see our films worldwide. Merci à vous.